La Tour Eiffel, la Tour Eiffel,带我欣赏赏景。哇！Chaque lundi à l'antenne, j'aime bien étaler mon week-end palpitant passé dans ma vie glamour. Hier, je passais toute la journée à laver des vêtements délicats à la main comme une niaque. Parce que le pressing est devenu trop cher. Pour nettoyer une robe en mousseline de soie Christian Lacroix, le pressing me coûte 80 euros. Alors je m'arrange toujours avec la patronne, fan de l'émission, et me fais une réduction en échange des mouchoirs en papier usagé de Frédéric Lopez. C'est pour ça que j'aime traîner dans le studio 106 après l'émission pour récupérer les affaires oubliées de Fred. Ça s'utilise aisément comme des coupons de réduction auprès de nombreuses commerçantes. Celle de Richard Lornac aussi s'avère utile pour obtenir une réduction chez Michou. Avec les fins de mois difficiles, j'étais contrainte de mettre les mains à la pâte, enfin dans de l'eau de lessive. Aussitôt les vêtements trempés, l'eau est devenue verdâtre avec une odeur de McChicken. Nom d'une pipe Marie-Jésus, c'est mon étole achetée à 55 euros, fabriquée en Chine qui a l'air toxique. Mais avec quoi ils font la teinture du tissu, du maroilles? Derrière leur jolie présentation, les produits que nous consommons révèlent souvent une nature décevante. Une déception comparable à la vie amoureuse. Monsieur, vous rencontrez une femme sublime sur Mythique, elle est séduisante sur le profil, mais comme pour mon étole, en mettant les mains à la pâte, vous vous rendez compte qu'elle a cruellement besoin de Narta. Dans le passé, j'ai été dupée aussi par un homme apparemment de grande qualité, 5000 euros net par mois. Il était réservé avec un léger sourire charmeur, sans jamais montrer ses dents. 6 mois plus tard, un jour, je l'ai surpris en train de bâiller et j'étais choquée par sa dentition. Une dentition parfaite. Plus précisément, 3 dentitions parfaites puisqu'il n'a que 3 dents. Mais c'est pour ça que ça sifflait de sa bouche quand il me réclamait la flamme. Oh ma chérie, mon amour. Décidément, que ce soit dans le choix d'une écharpe ou celui d'un homme, plus la présentation est jolie, plus ça risque de puer. Quant à moi, comme mes vêtements, ma vraie nature ne se révèle pas en enfilant la première fois.